Va-t'en, bébé Cadom, un livre écrit par Stephanie Blake et publié aux éditions de l'École des loisirs. Cric-crac, et l'histoire sort du livre. Va-t'en, bébé Cadom. Aujourd'hui, Simon construit un méga, giga, grand garage pour ses voitures. Mais Gaspard traîne dans ses pattes. Alors, Simon lui dit « Va-t'en, bébé Cadom, tu vas faire tomber mon garage !» Mais, moi, l'effet des pompes à essence glande comme ça !» répond Gaspard en écartant les bras. Et sans le faire exprès, Gaspard casse le garage de Simon. Simon est furieux, même qu'il est supra méga, giga furieux. Une méga, giga grande bagarre éclate. Espèce de bébé Cadom, hurle Simon en tirant l'oreille de Gaspard. Espèce de cacaboubadom, hurle Gaspard en donnant un coup de pied à Simon. C'est alors qu'il se passe quelque chose de terriblement, horriblement affreux. Gaspard mord Simon. Simon hurle de douleur. Et lorsqu'une petite goutte de sang perle le long de la main de Simon, Gaspard panique. Gaspard a trop peur pour Simon. Il se met à pleurer de toutes ses forces. J'ai cassé Simon! J'ai cassé Simon! Comme Simon voit que Gaspard a très peur pour lui, il se calme et dit « Arrête de pleurer, Gaspard! C'est juste une petite goutte de sang, de rien du tout! Allez, viens, on fait la paix! Vite, fais la paix! » répète Gaspard rassuré. Et on va construire le méga giga grand garage, dit Simon. Ouais, dit Gaspard. Et d'une toute, toute petite voix, il murmure avec le méga giga pompe à essence. Cric, crac, et l'histoire rentre dans le livre. À bientôt. Retrouvez nos contes et nos lectures du soir ainsi que nos lectures animées sur la chaîne Les Histoires de la Maîtresse.